Je viens bosser chez vous, le podcast. Soyez authentique. Oui, mais la question c'est comment ? On n'aime pas toujours parler de soi, qu'il s'agisse de sa personne ou de son entreprise. Il y a ce que l'on a envie de faire passer, et puis il y a les paroles qui sortent comme ça de notre bouche, et qui ne remplissent pas toujours l'effet voulu. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si mon authenticité fait de moi le phénix de ce bois. Ben non, et non, il ne s'agit pas d'être plus authentique que son voisin. Il faut, écoutez-moi bien, il faut être soi-même, en toute transparence. Prêt à relever le challenge ? Alors, on y va. La prise de parole. Je dis « je » ou je dis « nous » telle est la question. Quand on s'exprime pour parler de son entreprise, on peut avoir le défaut de se cacher derrière un « nous » ou de vouloir prendre toute la lumière en abusant du « je ». Alors, le conseil de Géry, notre conseil, c'est « dites « je » pour votre métier, votre compétence, vos missions, si c'est le sujet de la vidéo ou du podcast. Dites « nous » pour l'entreprise en temps, quantité, en mouvement. Voilà, c'est assez simple en fait. En communication, les adjectifs sont votre pire ennemi. Et je vous explique pourquoi. Pour être vrai, on peut être tenté de vouloir parler comme on le fait tous les jours. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. On peut dire à l'oral, en mode informel, on prépare un super projet, il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, le produit qu'on va sortir est carrément innovant, mais là, concrètement, vous n'avez rien dit. L'authenticité, ce n'est pas ça. C'est pas vouloir convaincre par des mots, c'est laisser paraître en n'ayant pas peur de donner des détails, car choisir ces détails clarifie votre pensée. Nos conseils. Traquez les adjectifs comme des cafards. Et encore plus, l'association adjectif plus adverbe du genre, c'est hyper important. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Prenez par contre un crayon et écrivez pourquoi votre projet est super, pourquoi l'ambiance est-elle bonne, pourquoi votre produit est-il innovant. Et voilà, vous avez sous les yeux ce qu'il est important, opportun de dire pour intéresser votre auditoire, que ce soit filmé ou pas d'ailleurs, en 1 minute ou en 10 minutes, à l'écrit ou à l'oral. Ne cherchez pas à convaincre, exprimez-vous plutôt, dévoilez-vous. Quand on regarde une vidéo, l'image l'emporte sur la voix. Quelle que soit la source d'une nouvelle information, on est réticent à celui qui veut absolument nous convaincre. Tout comme ceux qui veulent nous vendre quelque chose. Alors stop à l'envie de donner envie avec emphase et de très jolies phrases. Jouez plutôt l'humanité et la simplicité. Nos conseils. Évitez les « notre force c'est deux » ou « on est fier d'annoncer ». Bref, tout ce qui ressemble à « vous n'en croyez pas vos yeux » ou « l'herbe est plus verte chez nous que dans le champ des voisins ». Mais si, ça existe. Ne vous comparez surtout pas aux autres concurrents, aux acteurs du marché, même de manière indirecte. Alto, on a été les premiers, ou nous avons le plus grand parc de machines-outils de taille moyenne, classe C du département. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et alors, quelle est l'info ? Dévoilez-vous. Authenticité, authentique, relisons ensemble le dictionnaire pour bien comprendre ce que ça veut dire. Si l'on sort du champ de la sincérité des sentiments, on trouve comme expression proche la vérité d'un témoignage, ce qui ne peut pas être controversé, la conformité à la réalité, une valeur profonde dans laquelle on s'engage, l'expression de sa personnalité, la qualité de ce qui fait autorité, ce qui est intrinsèquement vrai et éminemment pur. Du côté des synonymes, ça donne plutôt ça. La profondeur, la justesse, la sincérité, la valeur, la véracité. Et ses contraires, je vous les donne aussi, la contrefaçon, la fausseté, on rajouterait bien comme antonyme la mauvaise foi ou encore l'illusion que l'on se crée de soi-même. Benchmark de votre image. Je vous dirais, n'en faites pas, et puis voilà. Quand on lance un produit ou une offre de service, scruter ce qui se fait déjà ailleurs, c'est très bien, mais avec mesure quand il s'agit de créativité. L'authenticité, elle ne se fabrique pas sur plan, elle s'observe et se constate, elle ne se décrète pas, ni s'invente. Regardez dans le trou de la serrure, comment ça se passe chez le voisin pour détecter les signaux faibles de sa stratégie de communication est superflu. Tout comme dépouiller les vidéos, les articles de presse au sujet d'un confrère pour vouloir faire mieux ou même autrement. C'est du temps perdu tout ça, assurément.
L'idée n'est pas d'arrêter sa veille sur le marché, mais quand il s'agit d'images, c'est la vôtre qui est authentique, et pas celle du voisin. Authenticité, il n'y a pas de recette, mais il y a du bon sens. L'authenticité, c'est transmettre des informations que personne ne pourra vous reprocher d'exprimer. Elles vous définissent tel que vous êtes vraiment. Il ne peut pas y avoir matière à polémique, car ce sont des faits et des caractéristiques qui s'observent et se constatent. C'est avoir comme objectif d'être aligné. Mots, images, ton de la voix, posture et sourire. Devant la caméra et au micro, n'en faites pas trop, c'est pas la peine. Laissez la place à l'inattendu et à la surprise. Ne retenez pas vos émotions, surtout pas au contraire, acceptez-les. Acceptez-vous et assumez-vous tel que vous êtes. Ne fuyez pas l'autodérision, rire de soi, ça fédère. L'humour est aussi votre meilleur allié. Si on devait résumer en quatre mots, eh bien je dirais « oser, montrer, foncer et partager ». On n'est pas authentique tout seul, c'est dans l'échange que vous allez vous révéler. Je viens bosser chez vous à une chaîne YouTube et un site internet avec plein de choses dessus, et pas que des vidéos, des podcasts aussi. À très bientôt.